la ville lumière serait-elle devenue la ville poubelle? Jamais Paris n'a été aussi sale, les rats y prolifèrent, Paris a des allures de décharge à ciel ouvert, la malpropreté des rues est le premier motif d'insatisfaction des Parisiens. À tout cela, il y a une cause principale, c'est que la propreté des rues n'est plus une priorité de la municipalité depuis 2001. Les chiffres en attestent. Depuis 2001, la direction de la propreté a perdu 1111 agents au moment où la ville augmentait ses effectifs de 40%. Le budget consacré à la propreté a baissé de 10%. L'absentéisme est endémique. À l'initiative de la présidente de notre groupe à l'Hôtel de Ville, une mission d'information et d'évaluation a été mise en œuvre. Elle a travaillé pendant 6 mois et a émis 45 recommandations. L'affectation par redéploiement de 1000 agents de la propreté supplémentaire, le renouvellement des moyens matériels et techniques, la création d'une équipe volante par arrondissement, un plan global de dératisation et bien d'autres mesures encore. Nous en ajoutons une autre, c'est qu'il y ait un transfert de la compétence de propreté de la mairie de Paris aux mairies d'arrondissement, parce que les élus de proximité sont les mieux à même de savoir ce qu'il faut faire dans les rues de leur arrondissement. La propreté à Paris doit redevenir la première des priorités au service des habitants.